Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing de la société Gutfeld. Voilà, ils m'ont renvoyé très gentiment un nouveau colis. Voilà. Alors, je suis prête pour faire ma vidéo. J'ai ma boîte à mouchoirs, parce que je renifle toujours. Donc, pour celles qui étaient inquiètes, enfin, qui me demandaient de leur donner des nouvelles, de mes nouvelles pour suite à ma dernière vidéo, bon, j'ai toujours la crève, hein, ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas arrangé, hein, bon, ça peut pas s'arranger en une journée. Alors, par contre, j'ai vu mon docteur ce matin. Alors, ça va, c'est pas le Covid, c'est déjà ça. C'est juste un très gros rhume et une bronchite. Voilà. pardon. Donc, je suis sous antibiotiques, sirop, pastilles, gougoutte pour le nez. Voilà. Et moi, j'ai pris en plus le Vix pour mettre là. Et le Vix aussi pour le nez, pour renifler dans le nez. Comme ça, ça ira plus vite. Et donc voilà, donc bronchite, et donc je ne comprenais pas parce que je suis vaccinée contre la bronchite, parce que moi je fais des bronchites chroniques, mais là c'est une autre sorte de bronchite, et donc c'est pas une chronique, c'est une autre sorte, donc celle-là, il est sale mon pull, non ça fait un nounou, ah non c'est dans l'écran, oui, c'est une autre sorte de bronchite et celle-là, elle fonctionne pas dans le vaccin que j'avais eu. Donc, voilà. Donc, il faut quelques jours pour que ça aille mieux. Voilà. Et niveau scanner, il m'a demandé de revoir mon gynéco. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez le revoir rapidement? Oui. On va prendre rendez-vous. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être vues sur le scanner et qu'il faudrait qu'ils soient vus. D'accord. Ça ne me plaît pas, ça. Parce que, bon, moi, j'ai déjà eu un cancer hein, de ce côté-là. Donc, là, je vais reprendre rendez-vous avec le gynéco. Et le scanner, c'était aussi pour les poumons. Donc, il y a des petites taches dans les poumons. Mais bon, là, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Puisque là, il ne m'a rien dit. Mais bon, comme j'ai arrêté de fumer, peut-être qu'après ça va s'estomper. On verra bien. Mais comme je vois mon pneumologue, bon, pas tout de suite, hein, mais je le vois au mois de mars. Bon, je lui montrerai le scanner et puis on verra bien. Voilà, voilà, voilà les nouvelles. Donc, j'avais promis de vous en donner. Donc, voilà. Bon, là, pour l'instant, c'est une bronchite. Bon, je renifle toujours. Hein. Alors, celle qui n'aime pas que je renifle, bah... Tant pis. Donc voilà. Alors, on en revient à nos moutons. Donc c'est... Oh, j'ai une sale tête en plus. Bon, j'ai toujours pas de fièvre, hein, mais bon. C'est la boutique Gutfeld, donc qui m'a renvoyé très gentiment un colis et m'ont laissé choisir les kits que je souhaitais. Et dans ces kits... donc ça je vais vous en parler tout de suite. Il y a une chose qu'ils m'ont renvoyé parce que j'en avais demandé et ça vous donc c'est un article qu'ils m'avaient déjà envoyé, j'ai laissé l'autre en bas, bon mais ça fait, c'est pas très grave parce que voilà, vous vous rappelez, alors je regarde, ouais non il n'y a pas de souci. La boîte pour mettre les comment, oh aidez-moi, pour mettre les fils à broder était, j'avais pas fait attention tout de suite mais elle était fondue en dessous et du coup ils m'en ont renvoyé une autre, voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire que le service après-vente fonctionne très bien. Donc, j'ai l'autre boîte. Hein, ils me l'ont laissée. Et j'ai donc cette boîte-là en plus.
Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le service après-vente fonctionne. Voilà. Donc, merci à eux. Allez, alors, on va déballer. Alors, il y en a 1, 2, 3 et un objet. Je vais mettre ça là en attendant. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'objet. Voilà, parce que là, bah, je ne peux pas le cacher. Hein, voilà. Alors, c'est une boîte à crayons. Hop, on va la déballer. Voilà, c'est une boîte à crayons. Donc, elle est en plastique. Hein. Voilà, alors dedans... Donc j'ai toutes les perles. Alors j'ai le petit kit et j'ai les perles et j'ai un deuxième compartiment. Hop, voilà. Alors je vais peut-être m'en servir pour mettre les stylets et mettre ici les petites gommes rouges, enfin les petites glues rouges. Voilà. Donc il y a, je vous montre ce qu'il y a à faire dessus. Voilà. Donc c'est un peu comme les marque-pages, hein. C'est le même système. Donc vous voyez, puisque ça c'était dedans, ça rentre très, les stylets rentrent très bien dedans. Hein. Même les grands, bon les grands, je les ai pas là, ils sont en bas, mais par exemple, non, celui-là, c'est pas un stylet. Si, non, c'est pas un stylet, celui-là. Je me trompe. Donc, j'en ai pas sous la main, là. Mais les autres stylets peuvent rentrer dedans. Alors, je vais vous montrer les perles. Ça sent bon, le Vicks. Ça rappelle mon enfance. Ma grand-mère m'en mettait beaucoup quand j'avais des rhumes, tout ça. J'aime bien. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 couleurs. Donc, pardon. des diamants bleus. Des violets. Des bleus un peu plus clairs. Des bleus encore un peu plus transparents. Là, des gouttes d'eau couleur diamant. Là, des gouttes d'eau bleue. Là, trois grosses demi-perles bleues. Et ici, alors c'est des étoiles. Voilà. De vous montrer de plus près si ça floute pas. Et avec le plastique, c'est difficile que ça ne floute pas. Voilà, là, c'est des petites étoiles bleues. Donc voilà. Je commencerai peut-être par ça. Je ferai peut-être cet après-midi. Tiens, je vais voir. Donc voilà. Pour la boîte à crayons. Hop, on va le mettre là. Alors, ensuite, ici, je crois savoir ce que c'est. Oui, j'ai pris des choses un peu différentes de d'habitude. Je vous annonce également qu'il risque d'y avoir une petite surprise cette semaine. Je vais essayer d'organiser ça cette semaine. Je ne vous en dis pas plus, mais bon. Alors, allez. Voilà.
Oui, c'est bien ce que je pensais. Bon, il y a toujours hein, avec une pince, mais ce pince-là, c'est en plastique, ça ne vaut rien. Voilà. Ici. On a les perles. Donc, c'est un truc qui mesure 35 sur 35. Il y a 6 couleurs. Pas beaucoup, hein. Je vous montre les couleurs tout de suite. Des gouttes d'eau vertes. Là, il y a un gros paquet de strass dorés. Des strass jaunes un petit peu plus grands. Des demi-perles couleur diamant. Là, alors c'est quelle couleur, oui. C'est des, alors c'est pas des gouttes d'eau, c'est des ovales. Voilà, des perles ovales couleur diamant. Et les demi-perles bleues, voilà, qu'on voit régulièrement dans ces kits. J'aime beaucoup. Donc, je les remets tout de suite dans le petit sachet pour ne pas les perdre. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, il ne faudrait pas les perdre. Et vous allez comprendre tout de suite ce que c'est quand je vais vous montrer ce qu'il y a avec. Voilà. Oui, c'est une horloge. Donc ça, c'est tout le mécanisme horloger. Alors, bon, je vais peut-être pas l'ouvrir pour pas perdre des pièces, mais il y a tout le mécanisme horloger. Donc ça fonctionne avec une pile. Il faudra que je mette une pile dedans. Et alors, ça va être sympa parce que par contre, je n'ai pas le mode d'emploi pour le monter. Donc, il faudra que je regarde sur le site internet s'il y a le mode d'emploi pour le monter. Parce que ça manque, par contre. Voilà. Donc, pardon. Mais je pense que sur internet, je vais trouver le mode d'emploi pour pouvoir monter. Comment ? Cette petite chose. Voilà. Donc, je vois que j'ai quand même pas mal... J'ai plusieurs aiguilles. Donc, je pense que c'est pour moi choisir les aiguilles que je veux mettre. Parce que j'en ai des grandes. Il y a des grandes rouges. J'ai des noires. J'ai des grises. Donc, voilà. Je vous remontre. Alors, j'essaye de montrer de près. Voilà. Et voilà. Bon, ça, je trouverai sur internet le, je pense, le montage. Si j'ai un petit souci, ben, je demanderai à Chouchou ou bien à mon fils de m'aider. Mais bon, ça, c'est pas, ça va pas être un gros problème. Alors, le motif, j'ai pris un simple. Voilà, j'ai pris des papillons. Voilà. J'ai pas voulu prendre quelque chose de trop chargé. Oui, et puis les papillons, vous savez que j'aime bien. Donc, ils ont plusieurs modèles hein, chez Gutfeld. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, celui-là me plaisait bien. Et après, il faudra que je vois comment je peux faire pour l'encadrer, pour que ce soit protégé, que je puisse l'ouvrir. Voilà. Alors, celui-là, alors je ne sais pas où j'ai foutu mon grand. Ah, s'il est là. La taille normale, elle fait bah, 30 cm. C'est 30 sur 30. Donc, au niveau cadre, ça ira. Donc, voilà. J'ai pris une horloge. Donc, c'est ma première. Bon, des horloges, je ne vais pas en acheter 50. Hein. Enfin, je ne vais pas... c'était pour essayer... Donc voilà.
Je lis, ils ont plusieurs modèles. Donc, voilà. Là, quand je le ferai, de toute façon, je vous montrerai comment on fait le montage. Donc, voilà. Une horloge papillon. Ensuite, j'avais de la colle sur moi. Ici. Donc, pas que je découpe. J'espère que ça va ma voix, hein, que je n'ai pas de mal à m'entendre. Ah oui. Alors, toujours le petit kit. Il y a 22 couleurs et ça mesure, je crois que c'est un 30-40. Mais en vraie taille, je vais vous le dire après. Là, ce sont des perles rondes. Ah, j'ai mon nez qui gratte. Quelqu'un a envie de m'embrasser? Mais je pense pas que ce soit ça aujourd'hui. Alors, c'est ça qui m'énerve, c'est que, je dis, j'ai attrapé la crève en allant dans un endroit aseptisé. Enfin, aseptisé. Façon de parler, hein. Parce que le scanner, j'ai remarqué, j'en ai parlé tout à l'heure avec mon pharmacien, la salle où vous faites le scanner, ok, il désinfecte. Mais le box où vous vous déshabillez, vous savez, le petit vestiaire là, non, entre deux personnes, c'est pas désinfecté. Pas du tout. Ou alors, ils font vraiment quand ils n'ont plus personne entre deux. Parce que j'ai remarqué que quand ils font sortir une personne, enfin, il y a une personne qui... Il y a deux box, donc il y a une personne qui rentre. Il y a une personne qui rentre pendant que l'autre sort. Et ainsi de suite. Et ça fait qu'il y a toujours quelqu'un dans les box. Voilà. Et donc, ils n'ont pas le temps d'aller désinfecter, puisqu'il y a toujours une patiente dans les box. Donc là, c'est pas désinfecté. Voilà, voilà, voilà. Mais bon. Bon, on retourne à nos petites perles. Alors, je disais 22 couleurs. Donc, on va prendre la première. Le noir en premier. Alors, du noir. Mais bon, ça, c'était normal. Du gris. Vous verrez pourquoi c'est normal. Un gris plus foncé. Un gris plus clair. Là, c'est un beige. Un rose fuchsia. Un rose un peu plus clair. Encore un peu plus clair. Un vert foncé, un vert tout petit peu plus clair, encore un tout petit peu plus clair, un orange, un autre orange, un gris clair, un marron, encore une autre sorte de vert, un autre vert, et deux autres sortes de marron. Voilà. Des jolies couleurs. Ah, et puis cela. Pardon, j'ai oublié de vous montrer cela. Un beige très clair, presque blanc cassé. Et un beige plus foncé. Voilà. Pardon, j'avais oublié ces deux-là. Donc, on a dit 22 couleurs. Voilà. Et toutes ces jolies couleurs pour faire. Pourquoi tu rentres plus, toi? Il ne veut plus rentrer. Ah, voilà. Il ne voulait plus rentrer dans le sachet. Hop, voilà. Alors, pour faire de jolis mignons pandas. Ça faisait un petit moment que je voulais ces petits pandas.
J'ai trouvé trop mignon. La maman panda avec son bébé panda. Ils sont trop beaux. Avec de jolies couleurs. Bon, le noir, du coup, vous comprenez pourquoi. Mais ça va, il n'y a pas grand-chose en noir. Hein. Les oreilles, les papates, un peu le ventre. Voilà. Il est très beau. J'aime beaucoup. Oh, pardon. Oh là là, j'ai le nez. Il me gratte. Oh. Non, il est super beau. Donc, ah oui, j'ai pas montré les autres, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Au niveau col, ça colle très bien. Et puis, vous voyez, l'impression, elle est vraiment nickel. Hein. On la voit super bien. Donc, la taille, alors, je n'avais pas dit, mais je crois que c'est à 30-40. Ouais, complet. Et en dessin, c'est un 23. 23 sur... sur 33. Voilà. Alors, très mignon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, c'est le... Voilà. C'est celui avec les koalas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il est très beau aussi avec les koalas. Voilà. Et le dernier... Pardon. Le dernier... Alors, il s'ouvre où ? Il est un peu plus grand. Alors, attendez, je cherche le bout. Je cherche le bout. Il est où le bout ? Ouh, où es-tu ? Ah, voilà. Il est un peu plus grand. C'est un 40-50. Là, c'est un partiel. Si je ne me trompe pas, c'est des diamants spéciaux. Oui, voilà. Donc, je le montre plus. J'ai rempli, regardez, ici. Pardon. Là. Oups, rappelez le tiroir que j'avais fait avec des boîtes à glace. Ben, le tiroir est rempli. Je ne sais plus quoi faire de ces trucs. Voilà que je trouve un bricolage à faire avec ça. Alors, il y a combien de couleurs ? 13. 13 couleurs. Et donc là, ce sont des diamants spéciaux. Allez, on y va. Donc, rouge. Un rouge plus clair. Un autre rouge. Un jaune. Un bleu. Bleu plus clair. Là, les demi-perles jaunes. Cela, je crois que je ne les ai pas encore eues. Là, des plus grosses demi-perles en strass orangée. Là, des grosses demi-perles blanches. Là, encore un peu plus grosses. Là, ce sont les mêmes. Ouais, ce sont les mêmes. Là, des demi-strass rouges, perles rouges. Là, il y en a trois, mais ce sont des un peu plus grosses rouges. Et là, des gouttes d'eau bleu ciel, mais presque transparent. Voilà. Donc, voilà les couleurs. Elles sont très jolies. Et maintenant, je vais vous montrer pour toutes ces perles à quoi elles vont servir. Hop, voilà.
Donc, je ne vous ai pas montré, mais comme d'habitude, il n'y a aucune rivière sur les kits. Vous voyez ? C'est juste un coup de repassage pour les plis. Donc, c'est un 40-50, 13 couleurs. Et celui-là, il est sur le thème du carnaval. Vous voyez, il est très coloré. Et donc là, c'est un partiel, puisque ce sont des diamants spéciaux. Il va être très joli, je le crois, je pense. Il va être très très beau. J'essaie de vous montrer plus près. Il va être très très beau. Voilà. Donc il y a déjà un petit cadre autour. Donc quand il y a un petit cadre comme ça, c'est plus. Il faut mettre un cadre plus fin. Mais bon. Ou alors quand vous coupez, voire couper avant le. Couper le cadre. Mais bon. Ça, c'est à vous de voir après. Donc voilà ce que j'avais à vous faire découvrir aujourd'hui. Hop. Donc son emballage, il est où? Il est là. J'emballe tout de suite parce qu'après. Voilà. Donc ça venait de la boutique Gutfeld. Donc ça a été fait le. Alors pour vous dire le temps de livraison. Ça a été fait le 28 novembre. Et. Oh. Et j'ai reçu ça hier, donc on était le 10, voilà, le 10 décembre. Donc vous voyez, c'était pas. Ça a été assez vite. Hein. Donc, comme d'habitude, je marque dessus, Gutfeld, 10 décembre. Comme ça, je sais quand j'ai reçu, pour moi les faire. Je marque carnaval. Voilà. Et celui-là, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Ah oui, panda. Voilà, le 10 décembre 2020, panda. Et comme ça, moi, je me rappelle ce qu'il y a dedans. J'ai pas besoin de déballer. Ça, c'est l'horloge. Voilà. Pardon. Je vais aller prendre mes médicaments. Oh. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée hein, pour le gros rhume. Hein. Mais bon, je peux rien y faire. C'est les aléas de la vie et de l'hiver. J'espère que vous allez tous bien, mieux que moi en tout cas. Je vais vous faire à tous des gros bisous. Là, ça va, il y a un écran entre nous deux, donc entre nous. Donc, je ne vais pas vous contaminer avec mes petits microbes. Et on se retrouve très rapidement donc pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. J'oubliais. Je vous fais comme d'habitude en barre d'infos, je vous mets tous les liens nécessaires pour retrouver donc ces kits et le lien de la boutique Gutfeld. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et maintenant, on se retrouve très vite. À bientôt. Bisous, bisous.